Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Alors, ces minutes de la Banque Centrale Européenne, un non-événement, en tout cas je vais quand même essayer de vous en proposer une synthèse. Finalement, ce qui a fait décaler l'euro-dollar, c'est le fait que l'Allemagne ait rejeté la demande du gouvernement grec de prolonger le plan de sauvetage actuel. Alors, la spéculation va rester vive jusqu'au 28 février et puis peut-être même jusqu'au bout du week-end de la semaine prochaine, étant donné que justement ces marchés financiers ne vont réouvrir que dans la nuit de dimanche à lundi en Asie. Alors, bienvenue, vous êtes ici dans une émission réalisée à titre purement indicatif, sans conseil d'investissement et dont l'objet a pour objectif de vous présenter un tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Je pense que le son fonctionne normalement. Quant à l'avertissement légal, il est sous vos yeux, vous avez pu en prendre connaissance. Alors, bienvenue, rebonjour Bilal, rebonjour Parfil et rebonjour à toutes et à tous. Je vais quand même essayer de vous faire une synthèse de ce qui a été dit dans ce rapport hein, de la Banque Centrale Européenne. Alors, il y a deux solutions, soit nous le lisons ensemble, mais autant vous dire qu'il est long, le voici. Je vous ai donné le lien d'ailleurs dans la file commentaire. Voici en l'état les premières minutes de la Banque Centrale Européenne. Alors c'est assez long, hein, il y a 40 000 mots, ça fait 10 pages. Donc concrètement, c'est une belle histoire fondamentale et puis ça permet de comprendre un peu tout ce que fait la Banque Centrale Européenne ces derniers mois et ce qu'elle envisage de faire. Et ça permet aussi de comprendre un peu le rapport de force au sein justement de cette même Banque Centrale Européenne. Alors que retenir ? Tout d'abord, première chose, c'est le premier compte-rendu. Voilà, c'est donc une nouveauté et ça c'est fait. Deuxième chose à retenir, globalement, il y a un consensus assez large qui s'est dégagé en faveur du quantitative easing. Alors, un consensus assez large, ça veut dire quoi? L'avantage de ces minutes de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle rappelle un peu qui compose justement ce comité de politique monétaire et surtout qui vote. Alors, vous avez ici une partie qui est assez intéressante, qui se trouve dans la partie basse. Rappelons un peu toutes les personnes qui composent ce conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Monsieur Draghi, président, Monsieur Constantio, vice-président, Monsieur Queuret, qui est le président de la Banque de France. Et puis donc, un petit astérix ici vient rappeler qui vote et qui ne vote pas. On retrouve ici Monsieur Weidmann de la Bundesbank. Donc, c'est surtout un document finalement qui apporte un certain nombre d'informations pour ceux qui s'intéressent aux fondamentaux des marchés financiers et de la Banque Centrale Européenne. Si cela vous intéresse, vous avez le lien donc dans la file commentaire. En ce qui me concerne, je retiens donc que globalement, la majorité des membres de ce Conseil des gouverneurs étaient en faveur du programme d'arrachat d'actifs. Il existait cependant des personnes qui étaient opposées, hein, on appelle ça des dissidents finalement, et globalement, ils n'étaient pas contre l'idée du quantitative easing, mais préféraient attendre que vraiment il y ait une situation d'urgence pour activer ce programme monétaire. Dans tous les cas, c'est chose faite. Le programme de quantitative easing a été annoncé en janvier et il sera bien déclenché au mois de mars prochain. Donc le mois de mars prochain, ben c'est le mois prochain, avec c'est notamment 40 milliards d'euros d'obligations d'État qui seront achetées chaque mois. Cet après-midi, sur le calendrier économique des statistiques américaines, avec notamment à 14h30 les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont été publiées et qui sont tout à fait satisfaisantes et qui sont d'ailleurs de nature à soutenir un peu le dollar US. Et puis à 16h, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie et puis d'autres indicateurs. Et d'autre part à 16h30 et 17h, alors à 16h30 les stocks de gaz naturel et à 17h les stocks de pétrole. Donc voilà, entre 16h30 et 17h, il va falloir clairement s'intéresser au pétrole et au gaz naturel. Et je vais donc vous proposer ma lecture des graphiques intraday de ces deux contrats d'énergie. Voilà pour l'introduction fondamentale, elle est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la file commentaire. Ouvrons donc le bal par, comme ce matin, les paires de devises majeures. Alors, bon, ce matin, en substance, qu'est-ce que j'ai dit? Que l'euro-dollar était dans un range, capé par une résistance ici à 1,1440, mais soutenu par la moyenne mobile à 20 jours et la ligne de tendance. Il est vrai que j'envisageais que suite à ces minutes de la Banque Centrale Européenne, l'euro-dollar sorte du range. Eh bien, cela n'a pas été le cas. Alors on a eu un rejet depuis la partie haute, essentiellement parce que l'Allemagne a annoncé le rejet de la demande de prolongation du plan de sauvetage de la Grèce. Et les minutes de la Banque Centrale Européenne, en clair, elles n'ont rien créé. Il y a eu 20 à 30 pips de vol, ce qui n'est pas énorme.
Alors j'aurais toujours tendance à croire qu'on peut exploiter un retour sur 1.1340 et la moyenne mobile à 20 jours pour une ultime stratégie d'achat. La moyenne mobile à 20 jours, les 1.1340, c'est l'ultime rempart, l'ultime garant. Le dernier rempart, ça me fait penser d'ailleurs à un film au cinéma, je crois, avec Arnold Schwarzenegger. Bref, 1.1340, moyenne mobile à 20 jours, c'est le dernier rempart. Ça doit tenir ou c'est terminé. Mais pour le moment, le marché n'est pas sorti du range, alors j'aurais tendance à penser que cette moyenne mobile à 20 jours, ce support chartiste, peut être utilisé pour une stratégie positive. Quant aux stratégies de vente, elles se font naturellement sous résistance, et la résistance, c'est 1.1440 sur la paire euro-dollar. Voilà ce que je pouvais vous dire donc du côté de la paire euro-dollar. Le dollar US se reprend depuis quelques heures maintenant, notamment du fait du rejet de l'euro-dollar sous résistance ce matin, de la UD-USD qui a aussi rejeté sous résistance, du NZD-USD, on en a parlé ce matin, probablement une stratégie de vente assez intéressante sous la résistance des 0,76 et surtout, naturellement, l'USD-CAD. L'USD-CAD, c'est probablement ma déception de la semaine, notamment parce qu'hier, j'avais identifié qu'il était sur support, l'USD-CAD, et c'était vraiment la partie basse d'un range, ça a pris 150 pips. L'USD-CAD reste probablement la façon la plus pure d'accompagner le dollar US et aussi, bien sûr, les pressions du côté du dollar canadien, puisque le marché anticipe cette année davantage de baisse de taux de la Banque Centrale du Canada. Donc voilà, c'est une configuration sur laquelle dont j'avais parlé hier, mais j'étais assez frileux, je dois l'admettre, parce que j'étais gêné par le fait que certes nous étions sur support ici à 1.2378, mais les cours étaient couverts par cette MM20. Ils la refranchissent. Je pense que dans l'immédiat, l'USD-CAD peut revenir chercher la partie haute de ce qui finalement est un range. Alors, au sein d'une belle tendance haussière comme ça, c'est davantage un range pour en envisager derrière une extraction haussière. Reste que sur le court terme, USD4 pourra aller rejoindre les 1.26. Et puis, après, voir. On n'est pas forcé d'en sortir tout de suite par le haut. Il y a tout à fait la possibilité de revenir tester la partie basse du range. En tout cas, voilà une figure de transition latérale intéressante pour la suite des événements, et notamment la suite de la tendance haussière. Euro-dollar, nous en avons parlé. L'USD-CAD, j'en ai parlé. L'USD-Yen, un biais toujours positif au-dessus du support à 118.30. Je n'ai rien à ajouter de plus sur l'USD-Yen. NZD-USD sous résistance. Stratégie de vente possible sous les 0.7575 avec un stop au-dessus des 76.50. Ça peut être une stratégie de vente de long terme, justement. On en parlait tout à l'heure avec mon collègue Adrian. Voilà, c'est très intéressant d'être vendeur du NZD-USD sous les 0.76. Et d'autre part, la UD-USD, la stratégie de vente, c'était clairement ce matin, avec donc l'évolution au sein d'un range entre 0.76 et 0.7850. Mais d'un point de vue des niveaux de long terme, c'est probablement plus intéressant de chercher des ventes sur le NZD-USD sous les 0.76. Alors, du côté des paires majeures, reste le cas du GBP-USD. Qu'en penser? Est-il en risque? A-t-il fini de rebondir? C'est la question que je me pose. Bon, le GBP-USD, nous avions eu ici des divergences haussières au-dessus des 1.50. Depuis la semaine dernière, une belle tendance haussière. Et on a atteint une résistance à 1.5480. Voilà, c'était un objectif de cours qui avait été envisagé à la cassure haussière des 53.20 de rejoindre ce niveau horizontal, les 1.5480. Je ne sais pas réellement ce qu'est en train de nous préparer le GBP-USD. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un biseau, parce que ce serait moche. Mais bon, pour le moment, voilà, nous sommes dans cette compression, soutenue par cette ligne de tendance haussière, bloquée par la résistance des 1.5480. Va falloir maintenant se décider. Mais d'une certaine façon, on peut toujours exploiter ici cette ligne de tendance pour une stratégie positive, protégée par un stop sous 53.20. Et puis, voilà, si elle ne tient pas, elle ne tient pas. Et dans ces cas-là, les 54.80 auront représenté le top de la reprise. Mais bon, rien n'est réellement encore acquis pour le moment. Alors, sur les paires majeures, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser traîner dans la file commentaire. Maintenant, on va parler des métaux précieux et en effet d'une résistance mise en avant par Adrian ce matin qui fonctionne bien. L'once d'or était ce matin sous résistance avec un seuil très important ici à 1.220, alors que je vais positionner ici sur ce graphique intraday en données 4 heures. Et pour le moment, voilà, l'once d'or
du fait, bien sûr, du désintérêt vis-à-vis des métaux précieux et aussi du regain en faveur du dollar US, eh bien, j'aurais tendance à dire que sous cette résistance des 1 220 $, le scénario le plus probable reste toujours de revenir chercher cette ligne de tendance qui attrape en fait tous les bas de marché depuis ici le 6 novembre 2014. Et donc, finalement, 1 220 $ peut être utilisé comme une résistance au-dessus duquel mettre un ordre stop de protection pour une stratégie de vente et viser eh bien, ce niveau-là. Donc on a probablement un niveau ici, voilà. Et viser un retour ici donc en direction des 1190-1186 $, ici donc sur les cours de l'once d'or. Bon, en l'état, je constate donc la préservation de cette phase de baisse en février. Et donc, pour le moment, l'échec de l'once d'or sous cette résistance à 1 220 $. Bon, l'argent, pas grand-chose à vous dire sur l'argent. Parlons pétrole et gaz naturel, puisque ces actifs vont être concernés par les statistiques cet après-midi. Et ensuite, j'évoquerai les indices boursiers et d'autres paires de devises, comme d'habitude. Alors, que penser des pétroles et du gaz naturel? On va commencer par gaz naturel. Le gaz naturel est entré dans un range. Voilà. Je vais ici le délimiter par des niveaux de couleur bleue. Hein. Le bleu est généralement utilisé pour la neutralité ou pour représenter les phases de trading range. Voilà. Donc, nous avons depuis le 9 février une reprise des cours du gaz naturel. Ça, c'est un fait. Et nous sommes sous un seuil important à surveiller ici à 2,90 $. Donc, cet après-midi, le marché attend à 16h30 la publication des stocks hebdomadaires de gaz naturel aux États-Unis. Et le consensus anticipe un déstockage, voilà, somme toute modéré. Inférieur en tout cas au déstockage de la semaine précédente. Donc, on verra bien l'impact sur le marché, mais en tout cas, sur le plan de l'analyse technique, tant que le marché est soutenu par cette ligne de tendance haussière, on peut envisager quelque chose de plus intéressant hein, dans le cadre de ce rebond technique. Mais il faudrait vraiment franchir les 2,90. Donc c'est un seuil d'accélération haussière. Et au fond, un achat stop. Alors c'est un ordre, hein, je m'intéresse au type d'ordre, mais une accélération au-dessus des 2,90, qu'est-ce que ça permet de viser, une accélération au-dessus des 2,90 quand, si ce marché devait accélérer? Eh bien on va attraper l'amplitude totale balayée ici au sein de ce range, et je vais reporter ici les extensions. Donc, si jamais le gaz naturel devait accélérer au-dessus des 2,90, ce serait pour viser, je pense, 3,22. Voilà. En plus, c'est un niveau de chartiste. Je pense que nous pourrions viser les 3,20 $. Mais il faudrait vraiment voilà, réussir à s'affranchir des 2,90. Voilà donc pour le moment où en est donc ce contrat qui sera concerné cet après-midi par l'actualité immédiate. Once d'or est donc sous résistance. Et le WTI, chers auditeurs, où est-il? Eh bien, le WTI, on pourrait avoir une après-midi intéressante. Alors il a rejeté sous les 54 $, mais ça c'est en début de semaine, et on s'approche d'un support. Sur le WTI, on s'approche d'un support, un double support. J'espère qu'il tiendra, sinon ce sera compliqué pour la perspective de ce marché. Il s'agit de la ligne de tendance qui soutient le rebond depuis début février. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que février est un mois de stabilisation des cours de l'énergie, voire même de reprise technique. Ce qui m'intéresse ici sur les cours du WTI, US Oil, c'est notre CFD, vous avez donc cette moyenne mobile à 20 jours et la ligne de tendance haussière chartiste. J'aurais donc tendance à considérer que nous avons ici une zone support exploitable. Une zone support exploitable à proximité des 49 $. Bon, en tout cas, en utilisant l'analyse chartiste et le rendement risque, puisque sur toute stratégie, il faut de toute façon un stop. L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est que si on envisage de s'intéresser au niveau des 49 $, 49-49,50, à ce moment-là, le stop de protection, il est sous les 48, parce que voilà, si on sort par le bas de cette pattern latérale que fait ici le WTI, eh bien, c'est terminé. Vraiment, on aura...
on aura terminé cette phase de reprise. Donc voilà, voilà où on est pour l'instant ce marché. Un espèce de triangle rectangle ascendant d'une certaine façon sur les WTI. Donc voilà, 49-49-50, plutôt une zone de support. Et nous verrons bien, mais quel est le consensus du marché pour les stocks de pétrole cet après-midi ? Eh bien, restockage, enfin une évolution positive des stocks, mais inférieure à la semaine précédente. Bon, de manière générale, les stocks de pétrole, ils augmentent de manière continue hein, ces derniers mois. Mais au-delà de ça, voilà, 49-49-50, c'est un niveau de support sur le WTI, avec la moyenne mobile à 20 jours, donc à suivre. Et cet après-midi, si vous vous intéressez au contrat d'énergie, moi je vous invite à vous intéresser donc à ce niveau sur le WTI, et donc à cette résistance sur le gaz naturel à 2,90. Pour les plus, je dirais, prudents d'entre vous, l'idée c'est quoi ? C'est pour avoir davantage de hausse, il faut briser 2,90. Si jamais cela arrive, patienter le pullback, se positionner dès lors que ce niveau aura acquis un rôle de support, pour viser 3,22. Ce qui serait vraiment négatif, ce serait de casser les 2,75. Alors là, si on recasse les 2,74, 2,75, bon, bah, c'est... Voilà, ça deviendra, les perspectives seront à nouveau négatives. Alors, du côté justement des matières premières industrielles, le gaz naturel, le pétrole, je m'intéresse à nouveau au cuivre. Le cuivre qui est toujours sous un seuil important à 2,63. Alors cet après-midi, retenez le niveau des 2,90 sur le gaz naturel et le niveau des 2,63 sur le cuivre. Ce sont, je pense, deux seuils qui... Voilà, ce sont des seuils chartistes. Qui peuvent potentiellement donc déclencher des accélérations ou au contraire rejeter les cours. C'est là où se trouve la limite du travail de prévision. Mais voilà, pour le moment, donc moi ce que je surveille est désormais donc sur les cours du cuivre, cette compression. Donc nous avons ce seuil à 2,63, cette ligne ici de tendance haussière ici sur les cours du cuivre. Donc voilà, en tout cas, ce niveau des 2,63, si le marché parvient à s'extraire, c'est pour rejoindre ici les 2,80. Et au final, si je devais faire la synthèse, qu'est-ce qui m'intéresse le plus ? C'est davantage un test de la MM20 et du niveau des 49-49,50 dollars ici sur les cours du WTI, donc l'US Oil. Alors, pour les matières premières, je pense vous avoir fait un tour d'horizon assez complet. L'euro-dollar, j'en ai parlé. L'ultime rempart des stratégies positives, 1,1340, MM20. Ça tient aujourd'hui ou ça casse ? On verra bien, mais pour le moment, j'ai quand même le sentiment que le marché n'a pas réellement envie de vendre massivement l'euro-dollar. Alors peut-être que d'ici la fin de journée, je vais avoir complètement faux, mais il y avait finalement des raisons ce matin de s'inquiéter. Et au final, je trouve le marché très serein, moi. Il y a eu certes un rejet sous résistance, mais au final, tant qu'on tient MM20, tant qu'on tient 1,1340, je conserve plutôt un biais positif que j'abandonnerai complètement si jamais les cours cassent par le bas. Hein. Voilà, c'est comme ça. À ce moment-là, ça se passera comme ça. Le CAC 40, alors je reprends exactement le graphique que je vous ai proposé ce matin avec mes extensions. Regardez comme ça marche bien, Fibo. Je vous ai expliqué ce matin que 4770 était un niveau de support et que la prochaine extension était à 4839. Le marché a fait 4841. Donc, j'utilise toujours les extensions de Fibo qui reportent l'amplitude totale balayée par les prix entre le 15 janvier et le 26 janvier, reportée au point bas de la séance du 26 janvier. La tendance, elle est bullish. Attraper des points, c'est compliqué. Voilà pourquoi moi, je vous propose ça, en fait. Ces extensions de Fibo qui marchent plutôt bien. Bon, je vais être parfaitement honnête. Ce matin, quel était l'objet de mon propos ? Je n'ai cessé de répéter le mot neutre. Alors, j'étais neutre. J'ai évoqué quand même les 4770, mais en restant quand même globalement flou. En tout cas, pour le moment, ces extensions fonctionnent plutôt bien. 4839, dans l'immédiat, c'est une résistance. C'est une résistance, là, sur le CAC 40. Mais il n'y a pas non plus une vol extravagante, là, sur les marchés actions européens, cette semaine. Le DAX, j'ai exactement le même graphique depuis ce matin. Sauf que je pense que cette fois-ci, nous avons justement, à l'aide de ces extensions de Fibo, un range qui a été délimité ici par l'extension des 0,236 et des 0,382. Alors que je vais justement ici appliquer. Donc le DAX sur le très court terme est enfermé entre 10850 et 11038. Voilà, 11000 points. Bon. Et bah, il se passe plus rien quoi. Il se passe plus rien. La volatilité, elle s'est complètement écrasée là. Elle s'est écrasée. Autant sur les marchés actions européens. Donc bon.
Voilà où j'en suis pour le moment, comme ce matin, avec plutôt une tendance à dire que 4770 est un support sur le CAC et que 10850 ici est un support sur le DAX. Alors, du côté des indices boursiers, n'oubliez pas ce magnifique véhicule qu'est le Nasdaq 100. Très intéressant, le Nasdaq 100. Il forme un support ici à 4365. Regardez cette ligne de tendance haussière. Elle va bientôt être. Je pense que les cours prendront appui pour reprendre leur marche en avant. C'est vraiment de l'analyse chartiste sur le Nasdaq 100. Il y avait une belle jambe de hausse ici en 2014. On est sorti par le haut d'une phase de transition latérale. Nous avions ici un piège baissier. C'est d'ailleurs ici, ce jour, que j'ai écrit une première analyse bullish. Nous avons renforcé l'opinion bullish à la cassure des 4275 le 10 février, cassure des sommets de 2014. Ce marché fait un range et je pense qu'on peut exploiter un test de cette oblique de tendance haussière avec un stop, je dirais, sous les 4340 hein, sur le Nasdaq 100 pour viser des nouveaux plus hauts. C'est hyper bullish et ça peut parfaitement monter à 4500 points. C'est vraiment un indice très plaisant. L'ITA 40 est sous résistance. Il peut revenir sur un niveau de support et l'ITA 40, le premier niveau de support que je vois, c'est désormais celui-ci, les 21 478 points. 21 478 points. Alors, il y a une ligne de tendance haussière en place depuis le 15 janvier, c'est celle-ci qu'il faut surveiller. Je pense que on est clairement maintenant sous résistance. J'aurais tendance à là plutôt prendre des bénéfices sur cet indice ITA 40, donc le MIB. Le Nikkei, bon, je vous en ai parlé, puis vous avez un article sur notre site, est en train de tester les sommets de l'année 2007. Et je pense que lors des prochaines semaines, nous aurons une cassure haussière pour viser les 20 000 points cette année sur le Nikkei. Et je vous invite sur le Nikkei à utiliser ce support, ça ressemble au Nasdaq 100, à utiliser les 18 093 points. Donc 18 093, ça me semble tout à fait intéressant. D'autre part, nous avons cette ligne de tendance haussière. Voilà, donc honnêtement, vous avez des doutes sur les marchés actions européens. Prenez ce qu'il y a directionnel. Le Nasdaq est très directionnel. Le Nikkei aussi est pas mal directionnel. Voilà, si vous avez des doutes sur le DAX, parce que le DAX reste sous les 11 000 points, allez chercher de la tendance peut-être là où il y en a sur le court terme. Donc voilà. J'aurais tendance à considérer désormais que ces 18 093 points, on peut envisager de laisser traîner un ordre d'achat limite pour envisager des pullbacks. Et les pullbacks interviennent, regardez ici, souvent le Nikkei fait des mèches. Une mèche sur pullback, prendre la dynamique. Et puis, voilà, par contre, voilà, 18 300, il s'agit des sommets de l'année 2007. Mais je pense que vraiment le franchissement des sommets de l'année 2014 est un pré-signal ici tout à fait intéressant. Alors, le Bund, je vous en ai parlé, je m'intéresse toujours au support ici. Alors, je pense même que. Alors, j'ai parlé d'un support à 157,80, mais en réalité, je me demande si le support à 158,17 ne serait pas le bon support sur le Bund. Nous avons d'autre part cette ligne de tendance haussière ici. Je pense que ce marché peut dériver à plat. Alors, finalement, pourquoi pas envisager que les 158,17 sont déjà un bon niveau de support pour une stratégie donc positive ici sur les cours du Bund. Alors en vrac maintenant les paires de devises de mon tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Attention à la UDCAD, il faut surveiller ici cette oblique de tendance baissière sur la UDCAD. Ça pourrait passer à la hausse, ça pourrait passer à la hausse. On est dans un range, je vais retirer d'ailleurs tous ces seuils et voilà ce qu'est en train de tester la UDCAD. Pour l'instant, bon, on est plutôt là. C'est certainement une résistance que teste la UD4, donc on faut pas acheter. Mais voilà, il faut clairement surveiller cette zone là, ici, sur la UD4. Dans l'absolu, là, on est sous résistance. Hein. Alors, de là à envisager une stratégie de vente, j'ai envie de dire le. L'envisager d'un point de vue chartiste, oui, mais alors voilà, le stop à ce moment-là se place au-dessus des 0,98. Dans l'absolu, voilà, on teste cette ligne de tendance et du chartisme. Il y a potentiellement un timing et un money management intéressant ici sur la UDK. La UDN, je n'ai rien à vous dire sur la UDN. La UDNZD, alors la UDNZD, je n'arrête pas de me faire piéger sur cette paire, mais est-ce que finalement
c'est pas en train de tenir. On a peut-être un début de div. J'ai besoin qu'on franchisse une résistance, comme je vous ai expliqué hier. J'aimerais au moins voir la UDNZD refranchir les 1,04 pour envisager la capacité de ce marché de rebondir davantage. Donc voilà, toujours en attente. Mais bon, c'est vrai que ça tient. Pour l'instant, ça tient quoi. Donc nous verrons bien. Le CAD yen, j'ai donc repris une opinion neutre à la cassure des 95,50. Le CAD yen est revenu sur un support ici à 94,60 sur lequel j'avais beaucoup parlé la semaine dernière, hein, ce fameux support des 94,60. Bon, il a à nouveau réagi. Doit-on considérer que ce niveau de support est toujours exploitable? Pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, considérer finalement que oui, mais bon, on a brisé cette ligne de tendance. En l'état, c'est quand même un signal négatif d'avoir réintégré les 95,50. Donc, c'est un niveau de support, mais je ne remets plus, pardon, l'accent dessus. Alors, l'euro AUD, intéressant range à surveiller sur l'euro AUD. Peut-être que nous avons quelque chose en préparation sur cette euro AUD. Une espèce de compression chartiste qui serait en train de prendre la forme justement d'un triangle symétrique. Alors, en effet, il peut y avoir sur l'euro AUD là une opportunité. Pourquoi? Je m'explique. On a ici une jambe de hausse et une phase de transition latérale. Alors, est-ce que l'euro AUD peut revenir chercher à 1,48? Bon, pourquoi pas. L'idée, c'est que si une stratégie par exemple positive vous intéresse, en tout cas là, elle est protégée par un stop sous les 1,45-30. Et même, réellement, il faut même aller chercher plutôt ce creux-là. Sous les 1,45-50, ce serait vraiment une mauvaise chose de repasser en dessous, mais nous pourrions avoir cette hypothèse d'avoir une jambe de hausse, un range, et à ce moment-là d'envisager une capacité de l'euro AUD de rejoindre les 1,48. Bon. C'est envisageable d'envisager une stratégie, je me répète, envisager de viser 1,48 avec un stop sous les 1,45-50. Le tour d'horizon donc se poursuit. L'Eurocad. Alors, l'Eurocad ne m'intéresse pas et en l'état, je n'ai pas de vue de marché à vous proposer. L'Euro-CHF, on voit qu'il y a un trend positif depuis la cassure haussière des 1,0640, mais vu l'incertitude du côté de la Banque nationale suisse, je n'ai pas d'interprétation particulière à vous livrer. L'Euro-GBP est un range descendant de part et d'autre des 0,74. Je n'y vois pas grand chose à faire. L'euro yen n'est pas une paire en yen qui m'intéresse particulièrement. Par contre, le GBP yen, c'est différent. Le GBP yen, comme expliqué ce matin, je vous en fais donc un suivi depuis le début du mois de février, depuis la divergence haussière qui était nette. Regardez ici, divergence haussière standard. Avalement haussier, signal d'achat qui a été réellement donné à la cassure des 177,60 qui activait la divergence haussière qui était que potentielle. Nouveau signal d'achat à la cassure des 179. Et désormais, voilà, on teste ce niveau des 184,20 et on est soutenu par cette ligne de tendance haussière. Quel a été mon propos ce matin dans le morning meeting de 11h et de dire que je conservais un biais positif au-dessus des 183, envisageant la capacité du GBP yen à réaliser une cassure haussière des 184,17. La compression est devenue extrêmement étroite entre cette ligne de tendance haussière et le niveau horizontal. Voilà la compression. On sortira prochainement. Il y a deux scénarios possibles, rejeter sous 184,17 ou prendre appui sur la ligne de tendance et réaliser une cassure pour aller chercher 185,50. Je privilégie ce second scénario. Invalidation sous les 183. L'euro NZD. Alors, l'euro NZD
pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il est plutôt sous résistance, hein, sous les 1,52. Alors, c'est vrai que vendre l'euro NZD, c'est. Bon. Ça reste une stratégie de carry trade intéressante, mais la résistance, c'est 1,52. Voilà, donc on peut toujours exploiter les 1,52 pour adopter des stratégies de vente ici sur ce cross euro NZD. GBP/AUD, je pense que nous sommes sur un support. GBP/AUD, ce niveau-là, voilà, cette ligne de tendance. Alors, il s'agit ici d'une extension un peu plus longue. Il s'agit des 1,9785. Et donc, d'une certaine façon, bon, j'aurais tendance à dire que oui, le GBP/AUD est sur un support à 1,9785 qui peut être exploité pour une stratégie positive. Dans le sens de cette tendance haussière, je vous montre ici un graphique en données journalières. Bon voilà, tant qu'on tient 1,96, je continue finalement de défendre donc la tendance haussière sur le GBP/AUD. Donc avec ce niveau de support 1,9785, je dirais en dessous duquel un stop de protection pour une stratégie d'achat peut être envisagé. Le GBPNZD réagit bien sur un support, c'est très intéressant, j'en ai parlé d'ailleurs hier. Une jambe de hausse, une phase de range, c'est très sain pour la suite de la tendance haussière. Hier, mon propos était de dire qu'on pouvait justement exploiter les 2,0350 pour une stratégie positive. Et je continue de penser que nous avons eu une jambe de hausse, une phase de transition latérale, et que dans un premier temps, le GBPNZD pourra en rejoindre la partie haute, mais qu'à terme, nous pourrions même avoir une cassure haussière des 2,10. Alors, on n'en est pas là, mais je conserve un biais positif au-dessus ici des 2,0350 sur le GBPNZD, tout comme au-dessus des 1,9785 sur le GBPAUD. Le GBPUSD, je vous en ai parlé tout à l'heure, tant qu'on tient la ligne de tendance en place depuis le 3 février, je conserve un biais positif. Le NZD CAD. Alors, le NZD CAD, c'est intéressant. Il va bientôt tester un seuil important ici, le NZD CAD. Le NZD CAD pourrait bientôt donner un signal. On arrive au contact ici d'une résistance. Donc, on peut avoir d'ailleurs le sentiment que nous avons ici une structure en épaule, tête-épaule inversée ou en rounding de continuation. Intéressant ce que nous fait le NZD CAD ces derniers temps. Sauf que là, nous allons clairement arriver au contact d'une résistance. Par contre, dites-vous bien une chose, c'est que si le NZD CAD franchit ce niveau des 0,9450, c'est pour rejoindre ici les 0,9640. Donc, il s'agit ici d'un seuil, je dirais, d'accélération à surveiller. On peut d'ailleurs probablement, toujours en utilisant l'analyse chartiste, eh bien, essayer d'aller attraper ce type de ligne de tendance, hein, ici sur le NZD CAD. Et finalement, nous pourrions envisager d'exploiter le support à 0,9367. Pour une stratégie positive et vraiment en confirmation briser à la hausse les 80. Alors par contre en cours de clôture, regardez, en cours de clôture, le signal a été donné. Hein. En cours de clôture, on voit ici la pattern quand même hein, que construit le NZD CAD. C'est quand même tout à fait intéressant, je trouve, comme cross. Et je pense que ce marché pourrait être en mesure de réaliser une cassure haussière des 94,44. En tout cas, ici, 93,70, support pour une stratégie dans le sens de la tendance haussière. Le NZD Yen était ce matin sous cette résistance à 90. Quel est le potentiel de rejet? J'en sais rien, mais il est plutôt sous résistance. Mais comme expliqué en fait ce matin, en ce qui concerne le NZD, j'aurais davantage tendance à chercher à exploiter les 0,76. Donc c'est ce niveau horizontal ici, pour des stratégies plutôt vendeuses sur le NZD USD. Alors d'ailleurs, nous avions ici, regardez à l'époque, une ligne de tendance qui attrapait tous les creux de marché les plus saillants. Alors j'attrape ici, voilà, le creux le plus saillant. On voit que le marché la malmène. Bon, honnêtement, la plus grande utilité, on va pas exagérer le chartisme, je la retire. Voilà le gros niveau horizontal.
Alors c'est vraiment au niveau de long terme, hein, 0,76. Hein. Si vraiment je vais chercher loin, le signal de vente a vraiment été donné ici à la cassure à la base des 0,7680. Mais voilà, ici on avait quand même tenu par deux fois et d'une certaine façon ça fait pullback. Donc ayez toujours en tête finalement ce niveau des 0,7575-0,76 pour une stratégie de vente sur le NZD USD. Et quant à l'USD4, je vous en ai donc parlé tout à l'heure, le Bund aussi, le CAC 40 est donc ici. Le WTI, vous avez compris la zone que je surveille, on la garde donc pour tout à l'heure. Le Rodol est là, je vais maintenant me tourner vers vos questions. Alors bonjour Benny Boy, bonjour mon cher analyste qui ne conseille pas. Et oui en effet, il ne s'agit ici, et bon rappel de Benny Boy, merci, il ne s'agit pas ici de conseils d'investissement. Alors, Ahmed, bonjour. Alors, y a-t-il un moyen technique d'atténuer le poids du rollover ? Alors, j'imagine que vous faites référence au rollover qui a lieu le mercredi, j'espère que vous savez pourquoi. Non, il n'y a pas de moyen technique. Le rollover est ce qu'il est. Il n'y a pas de façon d'ajuster la façon dont cela va s'impacter sur votre compte de trading. Hein. Tout simplement, ma réponse est non. Alors l'euro-yen voilà, n'est pas une paire en yen sur lequel j'assure actuellement un suivi. L'euro-CAD, je vous en ai parlé. Merci Joseph pour ce commentaire sur mon travail. Bonjour Sophie 11. Alors le Bund. Le Bund, comme expliqué, j'ai tendance à croire que désormais le bon support n'est pas 157,80 mais davantage 158,17. Alors de toute façon le Bund, je ne prends pas trop de risques en conservant une opinion bullish. On a cette ligne de tendance haussière. Et voilà, en février, on fait un range au-dessus des 157,80, 158,17. Donc voilà, je dirais que dès lors finalement que le marché approche ce range, c'est à ce moment-là que ça a tendance, que l'actif a tendance à m'intéresser. Donc voilà, ça me plaît. Alors bonjour Nico, ça veut dire quoi bullish? Alors, ça s'écrit comme ça, mais je me dis que c'est une blague, ça veut dire tout simplement boule, hein. Ça vient de l'adjectif, c'est un adjectif qui signifie tout simplement haussier. Voilà. Bon, ça fait partie du jargon un peu qu'on reprend en langue française. Alors, merci Joseph pour ce commentaire. Ok, merci beaucoup. NZDUSD, nous l'avons évoqué. Alors, bonjour l'aîné. En ce qui concerne le DAX, écoutez, le DAX, il y a eu en effet ce matin un rejet. Alors, qu'est-ce qui a créé un peu ce rejet sous la résistance à 11 000 points? C'est l'annonce du rejet par le gouvernement allemand de la proposition grecque de prolonger le plan de sauvetage actuel. Il y a un plan de sauvetage qui se conclut le samedi 28 février. Et la Grèce aurait bien aimé le prolonger, hein, voilà, de 6 mois pour être un peu tranquille. Et l'Allemagne a dit « Nein », voilà, un grand « non ». Donc, c'est ce qui fait que le DAX reste sous les 11 000 points, et donc sous cette résistance pour le moment à 11 000 points. Et c'est difficile en l'état de vous proposer des stratégies sur le DAX, là, puisqu'il est devenu vraiment très très neutre, je trouve, depuis le début du mois. Alors, il y a des statistiques américaines qui vont tomber à 16h. On verra bien l'impact, notamment sur le dollar US et de manière générale sur l'euro-dollar et l'USD-CAD. Alors, une opinion sur le Dow Jones. Alors, vous avez un article sur notre site sur le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est pas le Nasdaq. Le Dow Jones, il est sous résistance. Regardez. Voilà les sommets historiques. C'est pourquoi nous vous répétons finalement que au sein des marchés actions US, seul le Nasdaq nous intéresse parce que le Dow Jones est sous résistance. Tout simplement, sous ses sommets historiques. Donc, d'ailleurs, je me demande si on n'est pas en train de casser une petite ligne de tendance haussière, si on n'est pas en train de donner un signal un peu négatif sur le Dow Jones. Mais voilà, les marchés actions US, ils sont dans des ranges depuis le début du mois de décembre.
Alors, il y a un support, il y a un petit support ici intermédiaire que nous avons ici sur le Dow Jones, mais il est vrai que le SP500 et le Dow Jones, je trouve, ont perdu beaucoup de leur intérêt. Alors bon, on a quand même un petit support ici à 17 920, mais j'ai franchement pas réellement de vue de marché particulière sur le Dow Jones. Par contre, voilà. Regardez la différence. Le Dow est en train de faire un chandelier négatif. Regardez le Nasdaq, il fait des nouveaux sommets. Je n'invente pas. Hein. Le Dow Jones est en train de baisser. Le Nasdaq monte. Voilà. Donc, pour la tendance haussière, c'est le Nasdaq. Voilà. Et le Nasdaq 100. Il n'y a pas photo. Les autres marchés étant plutôt neutres, je m'en écarte. Ben regardez, c'est vraiment puissant le Nasdaq, hein, c'est tout à fait puissant. Alors, comment prévoir les résultats d'annonce? Alors, on ne peut jamais prévoir les statistiques. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le rollover. Quand est-ce que ça impacte votre compte? Quand est-ce que... Alors, c'est 23 heures CET, heure de Paris. Mais de manière générale, pour toutes ces questions, on a vraiment une ligne téléphonique avec un service client, une équipe commerciale qui peut vous répondre. Mais sinon, c'est 23 heures heure de Paris. Voilà, CET. Alors, les statistiques, je vais les attendre quand même. Donc, celle qui tombe à 16 heures, alors que l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie, un indice avancé du Conference Board aussi. Mais voilà, c'est vrai que lorsque vous comparez le SP500, regardez le SP500, il patine un peu au contact de ses sommets historiques. On a avec le Nasdaq 100 quelque chose de plus sympathique. Alors, je vais laisser l'euro-dollar et l'once d'or qui donc rejette sous la résistance à 1220. Et on va mettre le CAC 40. Voilà. L'indice CAC 40 poursuit donc l'impact sur les marchés, hein, de tout ceci. Donc les statistiques vont arriver. Elles tombent à 16h. Alors. Voilà, merci Clément pour cette explication sur bullish et bearish. Pitoun nous poste un lien de Zero Hedge. Zero Hedge à propos donc des résultats de Caterpillar qui sont décevants, alors ce qui impacte notamment le Dow Jones. Merci Zero Hedge. Oh, merci Pitoun. Je pense qu'en effet, mon cher l'aîné, on peut exploiter le support à 4365 pour se positionner à l'achat sur l'indice Nasdaq 100. Alors, Marco, sur le CAC 40, pour se poser, bah, on avait ce matin le support à 4770. En fait, on a fait la cassure haussière hier, on a fait le pullback ce matin. Revenir dessus serait pas exceptionnel. Après, voilà, j'essaie vraiment de l'affiner en H4. On a cette oblique ici. Le Rodol, on voit que ça reste compliqué, hein, sous les 1,40. Oh là. Alors, ça doit. Alors, les chiffres, hein, les chiffres, les statistiques. Le dollar US. C'est parti. Oh, pas 4065. 4365. Regardez ici. Je vous le montre sur le Nasdaq 100. Alors, les chiffres sont tombés. De quelle nature sont-ils? Alors, pour l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, le consensus s'établissait à 9,3, le fameux Philly Fed. Il ressort inférieur aux attentes. Donc, c'est plutôt une déception pour le Philly Fed. Voilà. Et l'indice du Conference Board est aussi inférieur aux attentes. Donc, bon. Globalement, les indicateurs américains sont inférieurs au consensus cet après-midi. Donc, voilà. Tant que l'euro-dollar tient les 1,1340 et la moyenne mobile à 20 jours, on peut considérer que c'est l'ultime garant pour des stratégies positives. Alors, question sur le gaz naturel et le pétrole. Les stocks de gaz naturel tombent à 16h30 et les stocks de pétrole à 5h. Voilà donc ce que je peux vous dire.
Et donc sur le Rodol, tant qu'on tient la MM20, je conserve une vue de marché positive, ce qui globalement se confond avec le support ici à 1,1340$. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce point de marché. Rendez-vous dans le forum pour le suivi du gaz et du pétrole et à tout à l'heure 18h pour un webinaire éducatif.